clé d'entrée en fait que j'ai eue avec Bombay. C'est en partie une histoire personnelle, c'est au sens où j'ai grandi dans une ville textile. Et en fait, c'est cette histoire commune qui, au départ, m'a aussi menée à m'intéresser. Avant ce livre, en fait, j'avais travaillé sur les ouvriers et les ouvrières du coton et leur logement. Et voilà. Et en fait, j'ai tissé pas mal de liens dans la ville autour de ces questions-là, notamment auprès de gens qui, à ce moment-là, se battaient en fait dans les quartiers textiles pour défendre en fait le relogement des ouvriers. Et qui sont venus dans ma ville natale pour voir comment avaient été, comment les bâtiments des usines textiles avaient été en fait transformés en lieux collectifs, etc. Et donc il y a eu cet échange-là qui s'est fait et qui a vraiment été ma clé d'entrée. En fait, une des vraies ambitions de l'ouvrage, c'était de donner une synthèse en essayant de ressaisir véritablement l'histoire de la ville sur une certaine longue durée, c'est-à-dire depuis la première implantation urbaine au XIIIe siècle. Et d'accompagner le lecteur et la lectrice en fait sur vraiment la vie urbaine et politique contemporaine de la ville. Alors du coup, on brasse hein, de grandes évolutions, avec bien sûr des moments qui sont plus importants pour comprendre le développement en fait de la ville. Donc on ressaisit la période de colonisation portugaise, mais c'est quand même sous la période de colonisation britannique, même si de manière un peu moins évidente, en fait, tel qu'on peut se l'imaginer, parce qu'on voit toujours Bombay comme un grand port colonial. Il a eu des débuts très difficiles. Ce n'est qu'au XIXe siècle, en fait, elle s'affirme vraiment comme un grand port colonial. Un des temps vraiment marquants de la ville, c'est le milieu du XIXe siècle avec le début du chemin de fer, le début de l'industrie textile, de l'industrialisation, où là, on a véritablement une ville qui va s'imposer globalement aussi sur la région qui l'entoure. Il y a le moment de l'indépendance, qui est aussi important parce que c'est aussi un basculement, notamment en termes démographiques. Et donc, ça va accentuer en fait certaines disparités dans la ville. Et puis, un dernier des grands tournants que Christophe Jaffrelot en fait présente très bien dans sa partie, c'est un moment où converge à la fois une désindustrialisation de la ville, ce qui va changer aussi la portée, par exemple, qu'avaient jusque-là les partis ouvriers, les syndicats, leur place dans la vie politique, une montée de partis nationalistes régionaux notamment qui vont s'appuyer en fait sur une certaine xénophobie, etc. Et le troisième élément, c'est en fait un bouleversement économique avec les réformes néolibérales des années 1990 et le développement du capitalisme financier qui va prendre une très très grande part dans l'histoire contemporaine de la ville. Bombay, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une ville de migration. Elle a été composée par différentes vagues de migration. On a des travailleurs et des travailleuses qui sont venus pour travailler dans le port, dans les usines, etc., etc. Donc en fait, on a un très très grand mélange de communautés. On a aussi un très très grand mélange de communautés marchandes. Donc c'est une ville où en fait, on trouvait énormément de diversité avec pendant très longtemps en fait une cohabitation hein, de ces différentes communautés dans l'espace urbain, un certain mélange hein, qui pouvait s'effectuer même si voilà il y avait quand même des regroupements hein, qui se faisaient et ce n'est que de manière très récente, assez récente que on a des véritables ségrégations en fait en termes de communautés qui se font sur le coup des violences qu'on a vu surgir dans l'espace urbain. En fait, si on a voulu aussi embrasser en fait ce relatif temps long, c'était pour notamment essayer de ressaisir l'histoire environnementale de la ville. Parce que ce qui est marquant en fait pour Bombay, c'est que c'est un espace qui a été vraiment entièrement remodelé. La ville elle-même, les contours tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est complètement fait par l'action humaine. Au sens où, au départ, on avait un archipel de cette île qui était séparé par de la mangrove, des vasières, donc des zones humides, et qui ont été donc comblées.
Et puis ensuite, ça, enfin, il y a eu vraiment une métamorphose hein, de l'espace, au sens où, par exemple, si on regarde la côte est de la ville, elle a été entièrement remodelée par les installations portuaires. Donc on a à la fois cet espace de la ville lui-même qui est une création, qui est le produit en fait de véritables transformations environnementales qui ont un effet, hein, parce que ces vasières, c'était des zones de biodiversité très fournies, et puis c'était aussi des zones qui pouvaient permettre de tempérer en fait les aléas climatiques, notamment les inondations. Et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la carte enfin, que certains scientifiques ont pu produire de 2050 sur la montée des eaux, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie en fait, de la ville qui va se retrouver sous les eaux. Et alors, l'autre chose qui était importante de ressaisir, c'est que plus on avance dans le temps, et notamment à cette grande période de la mi-19e siècle où le développement industriel de Bombay est marquant, c'est que la ville va avoir une capacité à transformer de plus en plus des régions éloignées et à marquer, à transformer complètement les écosystèmes de régions de plus en plus éloignées. Le meilleur exemple, c'est le bois. C'est qu'on va avoir besoin du bois pour construire des bateaux, pour construire les traverses de chemin de fer. Donc il y a un phénomène de déforestation énorme. Et ça, c'est important de ressaisir pour comprendre en fait les enjeux d'aujourd'hui, c'est que ça s'inscrit dans une histoire longue de dévastation environnementale dont les effets enfin, sont les plus marquants sur les populations les plus précaires. Donc ça, c'était une des premières choses et je crois que c'est un des vrais apports de l'ouvrage, au sens où cette histoire, alors ce n'est que les prémices, hein, il y aura encore beaucoup de choses à faire, mais cette histoire environnementale de la ville, elle n'avait pas encore été écrite. Le deuxième enjeu, c'est la question du logement et des inégalités sociales. Et là aussi, il y a vraiment un accroissement des inégalités sociales depuis les politiques néolibérales des années 1990. On a cette image saisissante hein, de Bombay, les gratte-ciel et les bidonvilles. Mais ça aussi, ça s'inscrit vraiment dans le temps long. Au sens où, enfin, ce qu'on explique dans l'ouvrage, c'est que toute la prospérité de Bombay, notamment la ville textile, du capitalisme industriel, elle s'est appuyée sur les taudis. Parce que le principal avantage, c'était une main-d'œuvre pas chère. Pour ça, il fallait des logements pas chers. Et que donc, pendant très longtemps, on ne s'est pas soucié de bien loger la main-d'œuvre ouvrière de la ville. Et que donc, ça a été vraiment un des éléments de la prospérité urbaine. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que dès le milieu des années, enfin, du 19e siècle, il y a eu aussi une intense spéculation immobilière. Et que les autorités, que ce soit coloniales ou après l'indépendance, plutôt que de chercher à endiguer, à part à certains moments de leur histoire, plutôt qu'à chercher à endiguer ce phénomène, elles ont cherché à profiter de la manne financière que ça pouvait susciter, en menant des grands projets qui, bien sûr, ont renforcé en fait la mainmise, parce que comme c'était des projets coûteux, les personnes qui pouvaient ensuite acheter les logements ou les terrains qui étaient enfin, mis à disposition par ces grands projets, par exemple de poldérisation, etc., étaient les classes les plus aisées, ce qui a renforcé en fait leur mainmise sur la ressource urbaine et ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait des disparités qui soient aussi marquantes dans la ville.